Yo, salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, les compétences c'est vous, la communauté la plus formidable sur YouTube c'est vous. Voilà, on est ensemble pour kiffer la RC, vous êtes toujours dans votre garage 2.0, nous sommes sur un unboxing, ok? Grosse dédicace à BLZLC Passion, la radio 100% RC qui va reprendre ses activités au mois de septembre. Nous avons également une grosse dédicace à faire à la team RC Mumuse Tractour, ok? Ainsi qu'à RC Balade, Michael Derderian. Pour ne citer que le clan Metz également, nos partenaires. Aujourd'hui, c'est Sismic qui est à l'honneur et c'est grâce à Sismic que nous allons pouvoir unboxer et avoir du matériel de qualité. Sismic, c'est des accessoires, des outils, du pneumatique et également de la distribution B2B auprès des professionnels. Voilà. Colis conséquent, donc vous allez voir. Il était absolument nécessaire pour le garage, ce colis. Et c'est des produits indispensables. Indispensables pour avoir une pratique de qualité, des performances avec nos véhicules de qualité. Pas de secret, pas de mystère. Les pneus, c'est 70% du réglage de la voiture. Il y en a qui changent le chiffre et autres, hein, ce sont des choses qui arrivent. Et ce dont il faut être sûr, c'est que c'est carrément important de trouver chaussures à son pied. En toutes circonstances. Wouh! Ah, c'est super. Le petit goodies, super t-shirt aux couleurs du garage. Eh ouais, parce qu'ils ont choisi un peu le même côté racing. Super t-shirt très sympathique de chez Sismic. On apprécie les stickers, c'est génial. On va pouvoir mettre ça sur la planche des partenaires. Petit rituel habituel. Donc impeccable, super. Bon, voilà ce qu'on a reçu. Je vous l'avais dit, ça va pas rigoler. Ça va être du très très sérieux, du très très lourd. Du pneu, en veux-tu, en voilà. Là, va y en avoir. Après, faut pas que je m'embrouille dans les gommes. Normalement, de toute façon, ils sont achetés. Ça, c'est du Magma 2.0 en légion, en balle. Ça, ce sont des inserts par train de 4. Des rapides. Super casquette goodies. Super casquette de chez Sismic. Perfecto. Impeccable. Merci beaucoup. Elle passe dans la galerie des casquettes de collection. Donc on a du bandit, du rapide et du magma 2.0. Ce sont les choix que nous avons fait. Voici tous les inserts. Ça va pas être simple. Il va falloir qu'on garde le carton quand même. Donc ils sont par train. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trains. 12 trains de pneus. Okay. Mais c'est pas tout. Il y a des gommes qu'on recevra directement à Limoges. Puisqu'il n'y avait pas forcément possibilité de les envoyer. On a également un produit spécifique. Okay. Un produit spécifique, c'est l'OptiClean qui permet de nettoyer, dégraisser, dépoussiérer, décolle la boue, protège et c'est du nettoyant pneu avant collage. C'est un produit important. Okay. Et il est en grande quantité. Je suis super surpris de la quantité. Je pensais avoir un tout petit flacon. Et on a vraiment une très très bonne dose de produit, idéal justement pour pouvoir travailler sur tout ça. On a opté pour des jantes jaune fluo. Ce sont nos préférés. Voilà. Je vous en montre une par exemple. Donc c'est un art d'emballer tout ça. Les jantes sismiques en jaune fluo, c'est ce que je préfère. Tu as des blanches à ta disposition. Et tu as également à ta disposition des jantes corail. Donc je vais aller chercher sans plus tarder. Je vais rien aller chercher du tout. On va garder ce principe de stockage. On va un petit peu parler des profils de pneus. Je regarde comment m'organiser. Alors, c'est pareil. Classement par train. Donc là, vous avez un train complet. Ça, c'est des bandits en gomme jaune. Je vais te dire après sur quoi ça correspond. Il faut que je retrouve juste une étiquette ou bien simplement que j'utilise l'application Sismic prévue à cet effet. Alors un petit instant, je pense que je vais mettre le carton à côté. On va se mettre
va se placer un peu différemment. Ah, c'est une organisation. On l'a reçu du Gomard. Hein. Alors, un instant. On va placer notre carton de Gomard juste ici. Juste là. Ok. Ah, des huiles. Ça, c'est pour le nugget. Des notes que j'ai prises. Alors, on va enlever les petites chutes de plastique. Très bien. Bon. Donc, on a opté pour du rapide. Donc, c'est un pneu qui a un peu plus de grip latéral, qui s'inscrit très bien dans les virages. Ok. C'est celui qui se met dans les virages le plus naturellement, en fait. Le Bondi, c'est une des préférences de Sébastien. C'est le pneu passe-partout. Ok. Et c'est celui qui motrice le plus. Le Magma 2.0, c'est celui qui gagne partout, qui est champion d'Europe. Il peut servir un peu sur la pluie, mais avec une gomme bien spécifique. Plutôt par temps humide, tu peux utiliser un Magma en gomme verte. Ok. Tu peux utiliser du Blaster aussi en gomme verte par temps humide. Et en grosse pluie, tu prends du Magma 2.0, mais en gomme CS. Très important. Voilà. On va revenir un peu plus en détail sur ces fameuses typologies de gomme. Il y a une application qui est très bien faite, c'est l'application Sismic, disponible sur tous les stores, en principe. Et c'est très simple. Cette application, elle a le mérite de donner un maximum d'informations sur tous les choix de gommard, ok, mais pas que. Tu peux avoir les fiches conseils. Et justement, ce qu'on va te montrer, c'est les référentiels de gomme. Tu vois, ça se fait en direct avec toi. On est très content d'avoir reçu tout ça parce qu'on en a extrêmement besoin. D'ailleurs, je suis en train de me dire que il y aura besoin de la même chose également. Un truc. Bon, allez, c'est parti. Après ces petites informations techniques sur les différents pneus. Donc on t'a dit c'est 70% du réglage de ta voiture, c'est le premier gros, gros poste de dépense aussi lorsque tu fais de la piste. Et il est très très important, très très important en fait de bien choisir sa gomme avant même son dessin. C'est d'abord la gomme, après le dessin, en fonction de tes températures de piste. Voilà, bon, tu connais. Tu as sur la hauteur classique, okay, en buggy et truggy, 4 duretés. Tu as la 21-40, 15-25, 0-18 et la CS. Voilà. Tu sais, ok, sur le synthétique, tu as la white, la green, la blue, la purple. Dans le même ordre, en fait, dans l'ordre croissant. Tu sais que quand il pleut, tu prends souvent de la gomme green. Ok. Et puis même parfois, sur certaines pistes, il y en a qui prennent de la bleue. Ou de la verte, souvent de la bleue d'ailleurs. Et on va aller regarder maintenant ce qu'on a nous comme type de gomme. Alors, là par exemple, j'ai du Bondi en 0,18. Tu vois, dès que j'ai la tache jaune, c'est le seul repère que j'ai. Il faudra que je note dans la jante aussi, puisque la tache va s'effacer. Donc là, j'ai une gomme plutôt tendre, tu vois, sur un pneu donc plutôt universel qui passe bien partout. Ok, c'est le pneu passe-partout de la gamme et qui motrice très très bien. Donc on a opté pour de la jaune. On va regarder aussi ce qu'on a d'autre. Hop, ça se relance. Là, tu vois, j'ai une tache de couleur maintenant orange. Donc là, j'ai de la 15-25. Jaune, tu as de la 0,18 degrés. Orange, tu as de la 15-25. Et l'idée, c'est d'être toujours un cran en dessous des températures. S'il fait, par exemple, je ne sais pas moi, entre 30 et 25 degrés, je vais utiliser du 15-25.
S'il se fait entre 15 et 25 degrés, je vais utiliser du 0,18. Voilà. J'espère être sûr de mon conseil. Au pire, je reverrai avec le fabricant, Monsieur Léonard, ce dont il s'agit, puisque normalement, il y aura une petite interview à Limoges pour pouvoir encore mieux définir notre savoir-faire, enfin nos connaissances en tout cas, sur les pneumatiques sismiques et les conditions d'utilisation. C'est un apprentissage, hein. J'ai aussi en bandit alors là je sais pas si c'est de la rouge ou de la rose, j'ai l'impression que c'est du rouge vu comment c'est dur là. Oui, là je pense que je suis sur du 21-40. Voilà, tu vois les différences de couleurs. Je vais te les mettre dans le bon ordre plutôt. C'est marrant, hein, on dirait la rose fluo là. J'ai un petit doute là, peut-être que c'est écrit dessus. C'est vachement plus dur là, de toute façon je le sens. Ok. Avec l'habitude et l'expérience, on connaîtra mieux toute la gamme. Voilà, donc là j'ai 3 trains complets de bandits. Il m'en manquera certainement. Je regarde ce que j'ai au niveau des rapides. En rapide. En rapide. J'ai de la 0,18. Et de la 15-25. Vous voyez le profil des rapides par rapport à celui des bandits. Sur la terre, c'est pas mal ça aussi. C'est quelque chose de très très différent tout de même. Et en magma, je sais qu'on en aura sur place aussi qui arriveront, des pneus. En magma, on a pas mal de trains. Donc on a du 21-40, elles sont beaucoup plus souples, cela ça sent immédiatement, on a de la gomme verte, ah ouais ça n'a rien à voir, oh, le grip que tu dois avoir avec ça, il doit être assez phénoménal, assez conséquent, donc là on a du 21-40, qu'est-ce que je raconte? C'est du green, spécial synthétique. Il nous manquera, je crois, de la CS. On a encore du green, parce qu'il s'use plus vite. Logique. On l'avait pas présenté. On a du 15-25 en magma. Donc là, ça doit être, ça c'est du 21-40, ouais, 15-25, du green synthétique. On l'a doublé parce que ça peut s'user plus vite. Encore du 15-25. Et un petit jeu de 0,18. Voilà ce que nous avons. Donc tu vois, on a pris toutes sortes de gommes quand même, pour pouvoir essayer de s'en sortir et avoir les bonnes gommes au bon moment, et puis un peu voir aussi au niveau des profils ce qui passera le mieux. Voilà en fait pour nos choix. Ok, pour les jantes rien de spécial, c'est toutes les mêmes là normalement. Affirmatif, je le sens à la fois dur et souple, ce qu'il faut. J'ai jamais eu de problème avec ces jantes, et les inserts tu les connais. Ah, d'ailleurs, je crois que j'ai un autre train de pneus. Je vais te montrer comment ils peuvent être aussi livrés et compactés. Donc là, j'ai du 15-25 de disponible également en rapide. Et ça tombe très bien. Ça tombe très très bien.
pense que ça aussi, nous l'emmènerons. Voilà. Donc il me manque juste normalement mes magmas en CS. Voilà, c'est tout ce qui me manque au niveau des gommes, si je ne m'abuse. Ça, c'est le plus dur, ouais. Voilà, à part ça, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, je suis sûr de moi au niveau des couleurs de gomme, c'est bon. Je me suis fait aux tâches et à cette espèce de nomenclature. Voilà, voilà. Ok, eh bien, écoutez, ça c'est l'étape 1, c'est le unboxing. Donc je viens de te présenter 3 dessins de chez Sismic avec différentes duretés au niveau de la gomme. On retiendra que le plus important dans le choix de ces pneumatiques, fonction des conditions, température de piste et température ambiante, c'est la gomme, la dureté de la gomme, le type de gomme, et en deux, le dessin. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir de ce petit unboxing dédié aux pneus sismiques et à notre partenaire. D'ailleurs, nous allons inaugurer cette nouvelle alliance immédiatement. Avec le sticker, ce qui va bien. Au niveau de la taille de sticker, c'est celle-ci qui serait parfaite. Je remercie toute l'équipe Sismic. Voilà. Impeccable. On est bien. Super. Ça fait plaisir. On a des goodies très sympas. Ça va être la classe. Voilà. Bon, on va arrêter ce unboxing. On reviendra sur ce sujet. On continuera à découvrir des gommards de chez Sismic, à parler des types de profils, des types de gommes, des circonstances d'utilisation, des avantages-bénéfices de chacun. Je peux prendre mes petites notes encore. J'en ai gardé sous le coude. Je vous ai donné vraiment des informations triées sur le volet. Elles sont là. On complétera ça, il y aura une interview avec Sébastien Léonard que l'on va prévoir pour Limoges, on espère que tout se passera bien. D'ici là, je vous souhaite une excellente continuation. Big up, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. À très bientôt. Hey!